Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. L'autre décision pour construire centrale pour Port de Paix avec pour reconstruire le réseau électrique cap soutien sa forêt pour arriver à Bassin Bleu. Le travail s'est recommencé fait le 16 octobre. Même pour le cap gardem là, il était contre centrale électrique la fête là. C'est un réajecté là. Ça veut dire que c'est Kabout qui vient là. Et je dis, après que je parle avec nous là, centrale ça à 80 à 90% fini. Ça veut dire en 3 mois. Ce n'est pas la guerre pour nous faire un accord. C'est pour nous tout mettre ensemble. Pour nous mettre là. Côté dans l'opposition, côté dans le secteur privé. Côté dans le public, nous tous ensemble pour électrifier le pays. C'est pour nous tous fierté à pied. Ce n'est pas pour moi, Jovenel Moïse seulement. Ce n'est pas pour l'équipe politique, PAM. C'est pour ça que nous demandons toute collaboration. Tout haïtien. Parce que l'on vit lui-même. Les lui-même pour nous, nous qui sommes en opposition. Les lui-même pour nous, nous qui sommes en pouvoir. Et puis nous avons une centrale Saint-Marc là, qui a une capacité environ 6 MW. Nous allons augmenter, nous allons mettre la centrale Saint-Marc là. Presque environ 11 MW. Pour Saint-Marc qui a alimenté et Saint-Marc et Montri et toute zone de plage côte des Acadiens, parce que le grand problème de réseau qui sortit Montri pour arriver jusqu'à Williamson, pas de réseau dans la zone ça, et DH prend décision pour construire un réseau triphasé correct pour alimenter tout le monde qui était dans la zone ça, parce que nous, d'après études que nous avons, zone de plage là, avec du monde qui est moyen qui était dans la zone ça, avec tout hôtel de Gamayon. Nous avons besoin de 3,5 MW d'électricité. C'est pour ça que nous allons augmenter la centrale Saint-Marc là. Nous avons mis environ plus de 6 MW en plus qui va permettre de nous quimber toute zone ça. Et la centrale doit aller même qui va déraper. La balle nous 3,2 MW pendant toute l'année. Il va alimenter la commune de Liancourt, la commune de Petite Rivière de la Tibonite, la commune de Verrette et la localité Ponsondé. Tout le monde qui connaît Jérémy, qu'on réputation ville si là dans affaire route à courant. Tout le monde qui monte Jérémy qu'on souffrance à douleur black route. Depuis président Jovenel Moïse arrivé sous pouvoir 7 février 2017 là, il était tout commencé travail pour rendre justice à Moun Grandance et spécialement Moun Jérémy que l'état central était oublié pendant un bon bout de temps. Prière a monté, grâce la descente pour Moun Jérémy. Ça fait courant chaque fête Saint-Louis. Les autorités à visiter villa fini. Après environ 3 mois, depuis chef l'État a été fini mais Jérémy 18 temps sur 24, samedi 27 février 2021, Jérémy tourne gain courant 24 sur 24. Ça fait 35 l'année depuis mon Jérémy te vivre un bagaille comme ça. Est-ce que pays a été campé pendant temps ça? Non. Est-ce que mon Jérémy pas toujours qu'on contribue dans l'assiette fiscale là? Oui. En président de Dieu, nous ne pas de même gens avec nous. Qui ça nous va faire pour nous? Nous pas de et nous devons courage dans nous de reprendre courage. Nous devons dans le thème à 94%. Je dis nous merci. Je dis nous, ce n'est pas un cadeau qui nous fait nous comme président de nous remettre nos engagements de gens avec nous. Promesse ses dettes. Les moun Jérémy parlait, président Jovenel Moïse tendait. L'État agit, population réagit. Dans l'accueil et façon moun Jérémy manifester contentement face à courant 24 sur 24 là, nous pas besoin aucune lumière pour nous arriver à comprendre que l'électricité pas de jambes yon bagay courant dans Jérémy. Nous pour développement dans nous. C'est nous qui pour prendre. C'est nous même qui pour aider. Là nous yon bagay. Par qui te préoccupe le monde, quand elle dit nous avons fait barrer route, nous avons bloqué la rue, non, fallait dans nos oreilles, et puis pour le problème qui gagne ensemble, pour nous résoudre. Mon grand dans mon Jérémy, nous sommes des mondes pacifiques, nous fiers de nous sommes des mondes civilisés, nous fiers de nous. À partir de Assoué, 27 février 2021, nous lançons Central 5 là. Mais vous voulez que mon cap de mon zone m'attendait il y a 24 heures sur 24 pour moi. Les bons pannes,
central la pas manger, c'est pour directeur central la radio pour l'expliquer nous-mêmes, parce que c'est nous qui mettons central là, c'est nous qui mettons pouvoir. C'est pour dire pour qui ça. Parce que nous n'avons pas capable de manger et puis pour personne ne connaît. Grâce à la centrale Jérémy en cap fonctionné avec 5 moteurs et puis 2 transformateurs 3 MW chaque, président Jovenel Moïse montre une autre fois encore, depuis une stabilité politique avec bonne volonté, en pile bagaille possible. Jusqu'à dernier jour mandat, 7 février 2022, la continue poser action pour toute grande ville pays à l'IME 24 sur 24. Bonjour, 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 toutes les amis de la presse qui est là, qui fait déplacement matin, dimanche, et pour point de presse ça, et dans un contexte très particulier, comme nous dit, c'est tremblement de terre 14 août là, qui mettait nous là, et matin, et nous avons l'honneur de recevoir le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, ainsi que l'ambassadeur d'Espagne, qui en fait mission, c'est l'ambassadeur Pedro José Sanz Serrano. Et je dis à, pour qui ça nous là, c'est justement l'Espagne voyait un convoi via l'agence de coopération AECID et de 10 tonnes de fournitures médicales. Donc on soutient en eau et assainissement et puis avec une aide financière. Donc il y a bien pour vous parler sous ça tout de suite. Mais avant, on a accueilli docteur Guito Jean-Pierre qui est président de la Croix-Rouge haïtienne parce que nous connaissons qu'on voit ça, il y a une aide importante pour la Croix-Rouge haïtienne qui prend justement saluer. Monsieur le Premier ministre, excellent monsieur l'ambassadeur et puis tous les collègues Croix-Rouge qui sont là, monsieur le ministre. Bon, nous là surtout c'est pour, encore une fois, remercier l'Espagne et au travers du gouvernement espagnol, la Croix-Rouge espagnole, la ICID aussi pour tout le support que vous faites pour appuyer le mouvement qu'a fait là, le mouvement humanitaire là. Nous surtout là pour nous remercier en voix qu'a fait matin, surtout ça va nous permettre d'augmenter l'action de la Croix-Rouge en réponse à l'appui en eau et assainissement, surtout pour le volet assainissement. Merci à pile. Pour kit de cuisine que vous voyez pour nous, plus de 400 pour permettre nous, vraiment très efficace en termes d'appui à plus de 500 familles, les tarpaulins qui font partie du pouvoir, ça aussi pour permettre nous aider des familles, en plus des plantes de potabilisation d'eau, cadeau de l'Haïtien, pour la Croix-Rouge haïtienne, pour le peuple haïtien. Donc merci pour tout l'ambassadeur, pour tout ce que vous faites pour Haïti. La Croix-Rouge est là, auxiliaire des pouvoirs publics, pour apporter tout l'appui nécessaire au gouvernement haïtien, dès que le gouvernement haïtien fait appel à la Croix-Rouge. Mais merci, au nom de l'humanité, nous allons continuer à avancer ensemble pour que la population victime, les sinistrés, pour les aider à se relever le plus rapidement possible dans cette situation dramatique, vraiment qui cause beaucoup de tort beaucoup de, au pays. Mais merci, merci encore, ambassadeur. Merci, docteur Guito Jean-Pierre, président de la Croix-Rouge haïtienne. Donc, normalement, ambassadeur Pedro José Sanz Serrano est en Haïti depuis 2018, donc ça c'est 3 ans depuis le travail pour renforcer la coopération Haïti avec l'Espagne, notamment à travers AECID et diverses institutions espagnoles. Et ils ont développé plusieurs projets qui ont un rapport, je nous dis, en eau et assainissement à travers notamment DINEPA, que nous saluons le directeur DINEPA qui l'a tout. Donc je dis à l'ambassadeur José Sanz Serrano, il a fait de mission et ce moment, dans le cadre envoi important ça pour non seulement lui parler, mais aussi pour lui saluer le peuple haïtien. Hein, et parce que demain, si Dieu veut, il a quitté le pays. Hein, donc, ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, monsieur le président de la Croix-Rouge haïtienne, représentant de la presse. Et d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre pour ce geste qu'il a eu avec l'Espagne de convoquer cet point de presse avec vous. Et je vous remercie à vous d'être là. Et c'est mon dernier jour de travail dans le pays. J'ai passé là 3 ans. Demain, je pars définitivement du pays. Mon successeur sera là à partir de mercredi. Il viendra avec des énergies renouvelées. L'Espagne ne va jamais cesser d'appuyer Haïti, qui nous considérons un partenaire très important dans notre coopération. Comme vous le savez déjà, nous avons répété beaucoup de fois, l'Espagne est active dans 3 domaines de la coopération, dans les domaines principaux avec la DINEPA, l'eau et l'assainissement, et nous faisons aussi beaucoup dans l'éducation. Nous avons appuyé la construction des écoles et des CFACAP dans les pays, et encore la production
la production agricole et la lutte contre et contre bon, la faim en fait. Enfin. Et nous sommes très contents de cette collaboration avec la DINEPIN. Et c'est pour ça qu'il faut dire, nous avons déjà dans les pays 4 plantes de potabilisation de l'eau qui est déjà installée en fonctionnement à l'asile. Il y a 3 autres plantes qui sont dans les dépôts de la DINEPIN. Et une 5e plante qui vient d'arriver dans l'avion que nous venons de voir. Nous travaillons ensemble avec l'Union européenne. Il faut le dire, l'Espagne est un pays actif et très important dans l'Union européenne. Et nous avons adopté la formule Team Europe, alors équipe Europe, pour collaborer avec nos collègues de l'Union européenne qui sont là pour présenter toute cette aide au peuple haïtien. Et cette contribution est composée de différentes composantes. Il y a une contribution en argent et à la Fédération internationale des Croix-Rouges de 250 000 euros. Il y a aussi une contribution très importante des experts espagnols qui sont arrivés précisément pour mettre en fonctionnement sur ces plantes et les potabilisations. Il y a aussi la contribution à l'équipe européenne des experts qui est arrivée il y a deux jours. Dans les pays, il y a des ingénieurs, des pompiers, des gens qui sont en collaboration avec une équipe plus grande de 20 ou 22 personnes qui sont arrivées de l'Union européenne en général. Et cet avion, concrètement, nous apporte 1008 kits and kits. Alors, ce sont des petites équipes de cuisine familière avec un petit réchauffe. Je crois que vous utilisez ce mot, des petites cuisines. Et avec les plats, tous les instruments pour qu'une famille peut manger. Il y a aussi 720 prélats, bâches, j'ai appris ce mot en haïtien, en créole. Il y a équipement médical orthopédique, il y a des médecines, et il y a cette plante transportable de potabilisation de l'eau avec les matériaux pour la faire fonctionner. Il y a une pompe, il y a une génératrice, et comme je l'ai dit, le plus important c'est la contribution humaine de nos experts qui sont là pour faire fonctionner cette chose. Merci à tous. L'Espagne n'oubliera pas Haïti. Nous essaierons de contribuer dans la mesure de nos possibilités à la reconstruction, qui est la phase, je dirais, la plus importante. Il y a beaucoup de logements qui sont damagés, il y a des écoles damagées, et nous verrons la manière dans laquelle l'Espagne peut contribuer à faire sortir terrible situation aux populations affectées. Nous essaierions vraiment d'aider les gens qui ont besoin de nous. Merci à tous. Merci ambassadeur. Et Premier ministre Dr. Ariel Henry, t'es voulu, dans un moment spécial, ça a tout saluer contribution l'Espagne et Haïti, contribution coopération hein, Haïti. Et puis et parler tout de ensemble de aide ça et puis effort que le gouvernement a fait pour arriver satisfaire ou bien aider population qui touchait dans la zone et sud là. Merci un pile Premier ministre. Vous avez la parole. Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur du Cabinet, Messieurs les Ministres. Messieurs le directeur de la Croix-Rouge, Monsieur le directeur de la DINEPIN, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, je salue votre départ après environ 3 ans dans le pays et je profite de ce moment pour vous remercier du dynamisme et de la détermination dont vous avez fait preuve pour renforcer les liens d'amitié et de solidarité qui existe entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne pendant votre mission ici en Haïti. Aussi, le peuple haïtien est reconnaissant au Royaume d'Espagne pour sa coopération et son intervention dans différents secteurs tels que l'eau, l'assainissement, l'éducation, la pêche et autres. Ce matin, nous venons de recevoir un avion de votre pays, l'Espagne, contenant de l'aide humanitaire à la suite du tremblement de terre meurtrier du 14 août 2021 qui a
affecté plusieurs régions de la presqu'île du Sud et je vous en remercie donc vivement. Votre contribution remarquable aux efforts d'assistance au profit de la population haïtienne ne sera pas oubliée. Monsieur l'ambassadeur, la situation reste préoccupante dans les zones affectées. Le gouvernement, grâce au support des partenaires internationaux et des pays amis, a déjà permis le déploiement d'équipes de secours, de sauvetage et de recherche sur le terrain. Nous donnons la garantie à tous nos donateurs que nous continuons à faire montre de rigueur et d'efficacité dans la gestion de l'aide à travers la direction de la protection civile. Le travail reste énorme et nous sommes conscients des contraintes auxquelles nous faisons face. En ce qui a trait à l'acheminement de cette aide aux sinistrés en regard des difficultés à atteindre certaines zones. En dépit de tout, nous multiplions au quotidien toutes les stratégies en vue d'atteindre le maximum de compatriotes en souffrance. Parallèlement, mon gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts afin de trouver dans les meilleurs délais un accord politique pour une gouvernance apaisée et la stabilité. Une fois de plus, je salue l'élan de solidarité et d'entraide de nos partenaires et je tiens à remercier particulièrement le Royaume d'Espagne pour la célérité avec laquelle il a eu à supporter son plein soutien à notre pays. Monsieur l'ambassadeur, au nom du peuple haïtien, au nom de mon gouvernement et à mon nom propre, je vous souhaite tout le meilleur de vos futures fonctions. Nous ne vous oublierons pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à la presse qui l'a. Et toujours même moi, c'est un appel à solidarité. Et le gouvernement continue à travailler justement pour permettre que l'aide là aille côté l'idée aller, pour permettre que les citoyens qui ont des difficultés recevoir toute attention particulière. Hier, le gouvernement a sorti une note pour le déplorer l'action qui était faite dans la zone sud, côté que y était attaqué des convois Foot for the Poor. Nous continuons à demander pour la population qui était calme pour ne pas continuer à faire type de bagaille parce que c'est dans l'appui, dans la solidarité que l'aide là a privé plus efficace. Donc le gouvernement a demandé pour tout le monde qui était calme pour ne pas continuer à type de pratique ça. Donc nous continuons à demander solidarité à tout le monde, la presse là particulièrement, la société civile et parti politique et tout citoyen qui sentit que jeudi a son moment important pour yo et pour écoute main pour aider moun qui n'en souffrance. Merci encore à nous toutes, merci à Premier ministre qui te fait honneur pour la jeudi a, merci à ministre intérieur, merci aussi à mon ambassadeur et puis bon travail. Merci beaucoup. Merci ministre. M'a dit bonjour, bonsoir à tous les amis la presse qui là. À tout auditeur, téléspectateur, et m'a dit bonjour et spécial tout, à comité national là, qui préside par le premier ministre, qui est avec nous là tout, qui, je nous dit à là, Jean-Ministre nous dit à là, qui nous continue de travailler sans arrêter pour nous chercher solution et justement organiser nous pour que nous baillons une réponse qui doit gagner par rapport à tremblement de terre qui passait dans le pays à le 14, qui est suivi par tempête tropicale Grace. Je que nous connaissons, nous avons le ministre Mbasse dit 3-4 informations déjà, mais je vais tout simplement faire quelques petits rappels, certainement pour me capable expliquer nous que l'opération que nous menons passé par 3 niveaux d'opérationnalisation, c'est-à-dire que d'abord, il faut nous recevoir et prendre charge de biens que nous avons pour nous faire pour réponse. Là. Ensuite, il faut nous faire préparation logistique là, et acheminer bien. Ensuite, là, nous avons phase côté que nous avons fait acheminement et nous avons fait justement distribution dans la ville principale. Mais dans la mairie et surtout dans la section communale. Donc depuis samedi 14, nous connaissons la mobilisation en général, première action, parce que puisque c'est des actions que nous avons parlé, première action que nous capable de dire que nous témoignons, c'est que justement pour porter précision, c'est volontaire des GPCO avec volontaire de la Croix-Rouge, ça peut prouver volontaire qui mettait ensemble pour nous porter secours par les gens qui étaient en difficulté dans la ville principale. Et automatiquement, nous avons gagné vraiment une grosse mobilisation de tout le monde dans le pays hein, pour la diaspora, pour nous porter aide. Et certainement, capable de dire que nous avons gagné une grosse mobilisation de côté
et en pile entreprise dans le secteur privé qui mettaient ensemble et qui portaient des supports pour permettre nous opérationnaliser le réponse à. Et nous avons des pays amis, parce que le ministre a cité là tout à l'heure pour la plupart, et qui au même tout a contribué et collaboré, et nous avons des autres pays tout qui au fur et à mesure a venu à porter justement des ressources, à offrir nous des appuis pour que nous capables justement de porter aide là et aider nous passer cap ça, passer difficulté que nous la donne. En termes d'article avec des matériels que nous recevons, nous sommes capables de parler de kit alimentaire, nous recevons kit d'hygiène, nous recevons de l'eau, matelas, couverture de laine, et planches, bâches en plastique, tôle, bois. Tout ça, c'est des matériels qui utilisés, que nous avons utilisés pour nous capables d'aider les gens à sortir dans sa rue. Mais nous avons dit tout que stratégiquement, par exemple, nous recevons des bâches qui sont très symboliques, nous recevons des frigidaires spécialisés qui peuvent permettre le Centre national de transfusion sanguine capable de piper. Pas sérieux, donc c'est des figures spécialisées qui peuvent être positionnées dans la zone affectée, en façon pour le secteur santé capable de faire travailler depuis bien et by support par les gens qui sont en difficulté. Nous remercions donc tout le monde pour solidarité et nationale et internationale là, et nous continuons de travailler là avec eux et avec tout l'autre sac à venir au fur et à mesure pour justement dit, pour décoller. Et entrer dans la logique de solidarité que le Premier ministre a prôné depuis le début de gestion crise. Donc, depuis là, ça nous organiser nous pour nous capables de mobiliser moyens avec ressources pour nous capoter aide là, je nous dis. Hein. Nous mobiliser justement une flotte camion entre nous-mêmes avec partenaires. Nous avons des bateaux qui mettaient à disposition qui permettent nous d'arriver dans certaines villes portuaires, des villes côtières pour nous capoter aide là directement et peut-être plus vite. Nous avons utilisé tout hélicoptère pour nous faire des déplacements personnels spécialisés pour aider le centre d'opération d'urgence dans la zone pour nous faire travail. Nous avons mobilisé PNH tout, et ça c'est notable et très important pour justement accompagner nous dans la question sécurité. Donc rapidement en termes de détails, je suis capable de dire tout que automatiquement que le tremblement de terre a été fait dans samedi, nous organisons, nous rencontrer tout le monde et dimanche, nous faisons le premier convoi qui sortit Port-au-Prince, qui allait FAS ici faire distribution 1000 plats chauds dans la ville Okaï, dans la localité Marceline et dans Miragouane. Dans lundi, nous faisons un convoi qui est Pigo, okay, qui allait vers le sud, et je nous dis, nous faisons des distributions encore dans l'Ekaï, dans la localité dans Boudet, et dans les NIP, dans le petit trou de NIP et en nous. Chaque zone, ça y est, recevoir une distribution de 1000 plats chauds qui fait. Hier encore, Fayez arrivé dans la grandeur avec sa nouvelle dération sèche, donc des manger qui peuvent comparer, ok, et qui un peu là-dedans pour le convertir en plat chaud, un peu là-dedans à distribuer directement à la population, et il y a l'autre distribution qui fait nos autres à Akin, Corail avec du City. Nous avons continué justement, nous faisons mise à jour continuelle de action et de activité qu'a fait particulièrement par rapport à manger à j'aime tout parler à là puisque c'est on a besoin de base, mais c'est pas ça seulement, et parce que nous cap dit nous que parallèlement à ça nous y a des convois qui partent avec tout article que nous avons parlé tout à l'heure, tout ça que nous recevons, tout le clou bois qui d'hygiène, etc. et qui allait qui distribuer directement au niveau de certaines municipalités à 15 mai du sud les cailles et je veux dire Jérémy Grandens pour certainement comme chef lieu pour que justement dispatcher le café justement vers et localité. Hier encore, deuxième jour, nous avons dit opération. Nous avons l'autre convoi, Jean-Ministre Tédia, qui sorti ici, qui allait vers les cailles, justement avec des quantités assez importantes. Nous allons en minuit avec tout détail, mais tout détail ça, nous allons poster sur site internet. Protection civile là, et des aïe saïo, n'a metté à jour au fur et à mesure que le travail a fait. Donc, j'aime te dire, hier, il y a un autre pigot qu'on voit encore qui parti avec pratiquement 8 machines, plus des véhicules d'accompagnement, pour un acheminement de biens vers les cailles, vers Miragouane, vers les cailles, vers Miragouane, vers Saint-Louis du Sud, vers Akin, et justement, région des NIP. Et alors, on dit région des NIP, donc Miragouane, mais certaines localités dans les NIP. Si nous voulons rentrer un petit calme dans le détail, parce que nous commençons à recevoir rapport de distribution, parce que nous avons bagaille séminaire et article sous place, mais dans la deuxième partie opération, c'est fait distribution, et ça c'est une autre partie que la municipalité et coordination départementale protection civile a fait. Et si nous sommes capables de parler par exemple de NIP, nous sommes capables de parler que l'asile, Baradère, Petit Trou, en Savou, en nous. Okay? Toute zone ça yo, yo recevoir justement, yo déjà recevoir en première attention. Ça veut dire que il y a des distributions qui fait là dedans, ok, en termes de rations alimentaires, en termes de kits de protection, ça n'est les prêts là yo pour nous capable justement pas dans la pluie ou bien dans le soleil.
Nous avons chemin Petite Rivière, Plaisance, Fond des Nègres, Miragouane, Payen, Grand Boucan, côté que je ne dis pas, action ça vous fait. Pendant que nous parlé la journée, je dis, beaucoup de gens ont justement des convois qui sont arrivés au Kaila, distribution a fait et méthodologie distribution à deux vitesses. Pour une vitesse, c'est que il y a des distributions directes qui fait dans la ville locale et dans la localité avoisinante. Mais tout, il y a des distributions qui ont fait du côté que nous fait municipalité, ils viennent directement dans le côté que nous fait réception bien pour eux-mêmes aller opérationnaliser et distribution de façon pour nous aller plus vite. Parce que je nous connais, nous avons des limitations tout par rapport à la logistique. La logistique est lourde, il faut un camion, il faut un monde. Donc là, nous essayons de travailler de manière avec une certaine proximité. Donc nous avons des maires avec les cartels municipaux, avec le comité communal de protection civile, viennent joindre la direction départementale de protection civile, qui lui-même remet article que je suis parlé là pour yo même yo capable plus rapidement river sous mon yo et capable justement remettre ça au besoin en façon pour yo capable commencer protéger tête yo satisfaire besoin de base yo et avancer sous distribution yo. Maintenant nous connaît que là qu'on a la cartographie ça que m'a pas d'aller faire, OK, opérationnalisation réponse dans lien en cours, je ne dis rien, n'a continuer justement travail d'HP pour que justement nous aller plus vite. Donc nous va laisser n'a organiser nous et dans discussion que nous gagne avec justement le comité national de protection civile là, nous organiser nous pour nous capables de mettre plus de moyens pour nous faire réponse. Donc, bien plus de camions, bien plus de sécurité, mettre bateau, utiliser l'autre moyen, je dis, pour nous capables de arriver sous mon plus vite. Nous connaissons des localités, par exemple, qui ont des problèmes. Et dans certains côtés qui viennent retrouver, on a dit isolé, ou par exemple, une ville qui est Pestel, côté que quai, côté que son ville côtière, donc on a toujours utiliser la même, mais quai n'est pas accessible. Et route pour arriver avec Pestel là, l'été bloqué parce que c'est un éboulement, donc travaux publics à travailler d'HP pour libérer et pour m'en parler avec nous là, moi recevoir rapport que route là l'est libérée. Donc certainement prendre une attention spéciale qui va mettre sous zone ça et plusieurs autres zones encore côté que nous recevons un message côté que Mounio des problèmes et nous connaissons que tu as des difficultés pour nous arriver sur eux. Mais nous avons rassuré tout le monde et nous avons dit tout le monde la journée aujourd'hui que nous là nous avons continué de travailler comité à l'argent nous là et nous avons accompagné toute action qui a fait yo, n'a dit que n'a continué tout travail avec tout le monde ça qui aide nous, qui porte contribution, qui vini faire nous confiance pour que nous fait travail là et pour justifier confiance à nous-mêmes, n'a publié et n'a toujours bail information sur qui ça qui fait, comment l'a fait, à qui vitesse l'a fait et en façon pour j'aime dire pour tout le monde qui connaît et pour nous capable vérifier bail. Donc dans ce sens ça m'a dit nous que travail pour réponse là li en cours li en route n'a je ne dis fait tout effort qu'on a le plus vite mais nous avons travaillé sur lui. Dernier point que m'ta aimé fait passer c'est justement un point important parce que nous gagne information que dans certaines zones particulièrement dans le sud gagne des monde qui aller qui fait sans relé replâtrage yo vini au petit ciment timotier yo passer dans caillou pour nous rentrer la donne. M'a demandé tout le monde s'il vous plaît pas entrer dans la dynamique ça parce que il a causé problème, il a mis les gens en danger. Nous avons un secteur travaux publics qui travaille rapidement pour capable faire évaluation. UCLBP pour intervenir tout pour aider nous, pour nous capables de connaître qui a servi, qui a pas servi. Et je dis, on a accéléré ce processus de réponse pour nous capables de minimum ça a besoin pour protéger tête en prenant deux bâches avec bâches en plastique pour ne pas être dans la pile en avant. Mais s'il vous plaît, de grâce, pas entrer dans la dynamique ça pour justement nous pas plus de problèmes et nous permettre famille nous en danger. Donc, je dis nous tout merci pour attention nous. Je demande nous qu'un bien contact et particulièrement à la presse, je demande nous monter sur page protectioncivile.gouv.ht pour nous gagner information mise à jour par rapport à distribution que nous-mêmes n'avons capable de relayer la population à travers canaux nous en façon pour tout le monde qui connaît qui ça nous recevoir, mais aussi surtout qui ça nous fait et comment justement nous bailler. Donc, je dis nous tout merci et je suis disponible, je vais passer comme le ministre de communication. Merci, DG Chandler. Et donc, nous avons reçu vos trois questions et que le directeur général a bien pour répondre. Première question, voix de l'Amérique. Merci, m'a salué collègue Mayo Gila avec le Premier ministre avec l'équipe gouvernementale. Nous avons aimé qu'on ait, alors non pas M. Wena tout ça, nous travaillons pour la voix de l'Amérique. Nous avons aimé qu'on ait combien de centres d'hébergement nous gagnons dans le Grand Sud, là, dans trois départements. Et qui méthode nous utilisons pour nous faire distribution, nous dit que nous faisons dans la zone. Et en plus de ça, est-ce que nous avons une idée des aides que nous déjà recevons
dans la communauté internationale, particulièrement les États-Unis avec l'Union européenne. Merci. Très bien. Et première partie de question, c'était si je ne me trompe pas, abri provisoire. Ok, jeudi, nous avons une situation d'exception. Centre d'émergement. Nous, je veux dire, nous avons une situation d'exception côté que nous avons un département qui atteint par un tremblement de terre. Et là, j'en ai dit à la gagné un travail d'évaluation qui fait, parce que j'en connais un centre d'émergement ou bien à sécuriser ou bien sans les abris provisoires, ils ont atteint tout par tremblement de terre. Et pour la plupart, grand pile là-dedans, c'est des lieux publics, c'est de l'école, c'est justement des lieux de rassemblement, c'est de l'église. Donc là, il y a un travail de rapide d'évaluation qui a fait, qui a commencé déjà et qui t'es obligé d'accélérer à cause de tempête tropicale grasse, qui, mais pour nous connaître qui est-ce là-dedans qui était encore valide, qui était praticable, que nous avons utilisé, et qui est-ce qui n'est pas valide. Et travail sommaire, là, parce que nous pouvons avoir des détails pointus, mais travail sommaire là, capable de faire nous connaître que déjà, en fait, nous avons une grosse proportion de tout abri ça ou bien al ça ou, qui atteignent, et justement, là, qu'on a besoin de travail pointu pour nous connaître si gagne qui praticable ou qui parle. Et ça, je dis, c'est un travail spécialisé qui est fait par secteur construction et par UCLBP pour nous gagner des détails là. Donc, je ne vais pas avancer des chiffres ni dire des bagages qui ne sont pas corrects. Donc là, je vais dire simplement que il y a un impact qui fait sous zone ça, sous secteur ça, qui est assez sérieux et que n'a pas réussi vite parce que, pas oublier, nous avons un tropical grass, qui est dépression tropical grass qui passait, mais la saison n'est pas fini. La saison n'est pas fini. Donc, il faut que nous rapidement réhabiliter justement ça qui mérite réhabiliter, assurer nous que ça qui est capable de servir, yo qui a servi, on fasse au coup. Si nous pouvons, on choque encore, nous capables justement de connaître qui s'en a fait par rapport à la population qui n'a qu'à dire en péril. Deuxième question qu'on t'a posée, c'est par rapport à méthodologie distribution, c'est ça. Méthodologie distribution, n'a qu'à dire relativement simple et li obéit à un protocole que nous gagnons en protection civile. Nous, au niveau central, nous recevons bien, nous acheminons bien normalement au niveau départemental. Et le département lui-même fait, on a dit, avec information que le gagne, parce que lui-même qui fait relever information à travers le comité communal. Donc, chaque mairie vous dit, mais combien qui a écrasé, mais combien de monde qui a besoin. Donc, à ce moment-là, on a connu que combien, qui quantité de besoin pour chaque zone. Et à partir de ça, lui-même, il fait distribution sur le terrain avec justement mairie. Mais nous, dans une situation d'exception, on est obligé encore de faire des exceptions dans la mesure où il y a urgence, et je ne dis pour ne pas obliger de perdre du temps, par exemple, et hier, nous avons un cas d'espèce, côté que nous avons un convoi qui descend pour aller vers les cailles. Il passe, le convoi descend, il y a un parti qui va dans le NIP et un parti qui descend pour aller au caille. Mais ce parti qui va aller au caille là, pendant qu'il est en route, il est tout campé pour lui adresser des villes ou bien des communautés côté que il y a des gros besoins. Donc nous, entendons-nous avec la direction départementale pour nous dire, nous faisons une exception dans le protocole là pour que pendant que nous descendons, nous prêtons Saint-Louis, nous prêtons Akin pour nous faire le nécessaire et puis reste qu'on voit à privé au cas où il y en a pour au cas capable de faire suivre. Maintenant, troisième partie, nous avons dit dans particulier dans exception, c'est que pendant que je parle avec vous, la jambe des jours, la distribution qui a fait dans la ville au cas et dans la zone avoisinante. Mais du fait que, je dis, nous avons des difficultés logistiques que nous sommes obligés d'adresser et il y a une célérité dans l'urgence fondale vite, nous demandons aux municipalités qui ont une capacité qui est capable de venir prendre ressources pour tout à la veille, pour ne pas perdre du temps, ne pas perdre l'autre journée encore, pour ne pas jouer une bagaille. Donc dans ce sens, j'aime dire, nous avons un protocole qui est clair, qui est établi, mais nous obligés flexibles et nous obligés créatifs. Parce que pas oublier, pendant que nous avons fait tout ça, il faut que nous restions avec le protocole là et nous avons des comptes pour nous rendre. Donc ça veut dire que tout le bagaille, il faut qu'on signe un côté, parce qu'il faut nous faire rapport, et j'en ai dit à la lame, tout pour engagement. Tout ça, il y aura publié sur le site de protection civile là. Okay? Donc, il faut être capable de jouer l'information. Donc, nous n'avons pas qu'à faire le coup, une tête chaude. Nous sommes obligés d'organiser. Dernière partie question, c'était, je pensais que vous avez parlé de support que nous jouons des États-Unis. Bon, nous jouons le support des États-Unis, nous jouons un gros aide et des gros appuis dans la mesure où premier action d'a dit que le gouvernement américain, qui son gouvernement américain toujours a collaboré avec nous, c'est que vous mettez à disposition nous équipe sauvetage et secours, ça veut dire les search and rescue. C'est une équipe spécialisée qui a pratiquement 60 personnes dans la donne, avec 4 chiens, avec 11 tonnes de matériel, que nous avons dispatché dans la zone sud, principalement nous avons basé au CAI, et nous avons aidé l'équipe sapeur pour les volontaires haïtiens pour faire sauvetage et secours, faire déblaiement, aller chercher mon en bas des pommes, etc. Et je pense que nous avons réussi à porter fouiller les résultats, parce que je note qu'on a des gens qui réussissent à sortir en bas des pommes.
à pas plutôt qu'avril c'est matopé dans la localité Brifet, nous te gagne justement un groupe monde qui réussit sorti. Bref, gagner toute une série d'activités que monsieur Sayo, monsieur dame Sayo mené qui permettent que on a dit que présence sur il fait une grosse différence. Parallèlement à ça, justement, nous avons une discussion et justement relation avec eux pour que nous mettions à disposition nos outils avec des instruments pour nous faire évaluation rapide. Donc là, par exemple, il y a des images satellites qui ont fait pour nous capables déjà, ouais, dans qui zone, combien de cas, etc. Donc pour nous avoir des données plus affinées, plus pointues, pour nous prendre une décision. Maintenant, pour finir, nous avons justement tout un appui logistique que nous avons discuté avec eux là, à côté que. On peut parler de logistique, on peut parler de camion, on peut parler de bateau, même tout, il y a venu avec type de matériel ça pour aider nous pour nous accélérer cadence ou bien rythme distribution en façon pour nous arriver le plus vite que possible sur mon. Deuxième question, Radio Télé-Pacifique et le National. Oui, Sliben, Jean-Baptiste et Journal Le National. En fait, il y a de nombreuses maisons qui détruites. Nan mais qu'on est qui plan gouvernement gagné, c'est-à-dire pour lui et c'est-à-dire et aller à la rescousse et c'est-à-dire paquet moun sa famille sa qui gagne maison qui détruit, c'est-à-dire pour capable bâtir une ville moderne qui répond avec non pas sismique. Très bien. Et question ça sont question à plusieurs volets et à plusieurs niveaux. Rapidement ça me capable dire c'est que et on a fait gestion urgence, nous avons deux phases. Là qu'on est dans une phase réponse urgence. Donc là, c'est satisfaire besoin de base, bah, moun yo sa yo besoin pour yo capable, n'a qu'à dire, kembe yon certaine normalité. Et puis, kounya la, évaluer pour yon qui sa besoin réel. Après ça, n'a pour passer dans l'autre phase qui sa relé, reconstruction, relèvement. Et ça, son bagay qui m'a dit plus d'informations avec, n'a qu'à dire, des informations qui sont beaucoup plus pointues. Donc, dans ce sens, ça, nous avancer, nous avons avancé rapidement. Et je ne dis, pour nous capable finir avec prise en charge phase d'urgence, pour nous capable passer à seconde phase qui c'est phase de relèvement. D'abord, dernière question. Moi, c'est Salomon Nelson, je travaille pour Radio TV Fondamental. Là, vous parlez nous d'ensemble activités qui fait déjà, non, mais qu'on est, est-ce que par exemple, en termes de bilan, chiffre n'a pas augmenté et opération pour chercher cadavre ou bien monde qui a des possibilités pour en bas des combien ou est-ce qu'il va continuer? Très bonne question. Chiffre n'a pas augmenté de manière significative entre à aujourd'hui, mais certainement, j'en connais un nouveau méthodologie pour être capable de faire mise à jour de bilan. Donc certainement, au cours de journée, probablement d'ici 1h de l'après-midi, nous avons gagné un dernier bilan mise à jour. D'accord? Et même cas du tout que l'opération de sauvetage et de secours, recherche, ils ont continué jusqu'à présent. Bon, c'est certain que là, nous sommes quand même à un stade très avancé par rapport à justement. Tant qu'il gagne après des aslans et probablement opération ça au pral camper, mais cette décision ça c'est pas moi qui prends, c'est l'équipe qui soutient eux, qui ont même une fois que vous avez évalué pour voir qui gens ça a marché, qui quantité mon rejoint, comment ça a marché, ou bien qui quantité zone que vous couvrez, pour prendre une décision ça eux même sur le terrain pour camper justement aux recherches avec sauvetage là. Donc c'est dans ce sens que nous y est, nous avons des contacts avec eux et pas oublier. Excusez-moi. Chiffre, comme je vous dis, jusqu'à hier, si nous vivons aux environs de pratiquement 1900, 2000 à peu près. Moi, je m'avais avancé chiffre et je me dis, plutôt tant que nous avons bilan mis à jour. Nous avons un bilan blessé qui était à peu près à 5900 Simbatopem. Mais je vous dis, en autant et mise à jour, que nous avons communiqué à toute salle de pression pour nous même capable de faire diffusion justement information précise là. Nous sommes en journée et dans fin journée et je nous dis automatiquement qu'il y a changement ou des nouveautés. Nous ne pas manquer pour nous faire nous tout connaître. Je dis nous tous merci pour attention nous avec le support que nous avons. Nous avons pris en contact. Je vous invite à visiter le site web protection civile pour information mise à jour et éventuellement nous avons pour nous faire des autres points de presse encore pour communiquer avec la population. Merci tout le monde. Merci beaucoup DG. Merci encore à la presse. Merci pour le soutien, présence nous. Et puis pour aider la communauté à jeune information. Merci beaucoup. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.